Oh, je peux pas accepter. Je te jure que c'est pas possible. Mais bien sûr que tu peux. Ça serait ridicule de refuser. Marie a raison. Une chance comme ça, ça ne se refuse pas. Enfin, vous vous rendez compte de ce que ça représente, de ce que ça veut dire? 3 mois aux États-Unis? Mais enfin, ça passe vite. Regarde-moi, il m'a bien fallu 9 mois pour faire Chloé. Et moi, je suis partie 1 an aux États-Unis. Non, je t'assure, Roger, c'est inespéré que les Américains te proposent de tourner Amour toujours pour eux. Ouais, ouais, c'est vrai, mais bon. Et toi, Virginie, qu'est-ce que t'en penses? Justine et Marie ont raison, tu dois dire oui. Ouais, toi aussi. Enfin, écoute, tu peux pas refuser une occasion pareille. Ah, décidément, vous avez toutes décidé de vous liguer contre moi, hein. Mais non, Roger, c'est tout le contraire. On est fiers de toi. Tu te rends compte? Les Américains ont choisi Amour toujours parmi toute la concurrence qu'il y a là-bas. Il faut sauter sur l'occasion. Vous croyez? Mais oui, bien sûr. Je ne comprends pas que tu puisses hésiter une seconde. Ah bah j'ai au moins 5 bonnes raisons pour hésiter. Ah oui? Lesquelles? Eh ben Marie, toi Justine, Chloé, Virginie et Annette. Mais tu peux partir, on se débrouillera. Bah oui. Et puis tu sais, 3 mois c'est quoi? Rien du tout? Bah oui, mais je viens à peine de te récupérer, je peux pas déjà partir. Non, moi j'ai envie de profiter un peu de toi, moi Juju. Oh mais on a toute la vie devant nous. Ouais. Oh là là là. Je sais pas. Écoute, Roger, tu sais, quand on m'a proposé de partir aux États-Unis, je savais pas quoi décider. Et toi, tu m'as dit, une chance comme ça, il faut la saisir. Tu veux que je te répète la même chose? Je vais pas vous manquer. Mais si, bien sûr. Mais c'est important pour toi et pour ta carrière. Ouais. Alors, c'est décidé, c'est oui? Je sais pas encore. Non, il faut que je réfléchisse, il faut que je pèse le pour et le contre. Oui, mais enfin, ne réfléchis pas trop parce que ça va finir par te passer sous le nez. Ah ben non, parce que j'ai jusqu'à ce soir pour donner ma réponse. Non, non. Ah, et surtout, pas un mot à Annette. Hein. Je veux pas qu'elle s'inquiète inutilement. Hein. Non, non. Si toutefois je m'en allais, j'aurai toujours le temps de lui annoncer. Enfin, le temps, si tu acceptes, il faudra que tu partes demain. Ouais, bah c'est justement ça qui me fait hésiter. Tout quitter comme ça du jour au lendemain. Oh non, je peux pas. Mais écoute-moi, Roger, il faut que tu sois... Salut tout le monde! Bonjour. Bonjour, salut. Annette. Salut. Bah, vous dérangez pas pour moi, hein, vous pouvez continuer votre conversation. Oui. Bonjour. Et alors, de quoi vous parliez? De rien. Ça va, ma petite Annette? Ah bah oui, moi, vous savez, tant que vous êtes là... Ça va toujours? Et Annette n'est pas encore au courant. Bah non, on n'a pas encore osé lui dire. Ouais, mais ça m'étonnait aussi qu'elle m'en ait pas encore parlé. Non, bah, pour lui dire, on attend d'être sûr qu'il parte. Ah, parce qu'il n'est pas encore sûr de partir? Mais non, je t'ai déjà dit, décide ce soir. Enfin, je comprends pas, il a pas sauté sur l'occasion. Non, il a peur de nous laisser toutes seules. Mais ça, c'est pas un problème. Moi, regarde, par exemple, je viens m'installer chez vous, hein, puis je m'occupe de toi. Ça m'étonnerait qu'il soit d'accord. Non, mais arrêtez de plaisanter. Non, parce que c'est vrai. Comment est-ce qu'on va l'annoncer à Annette? Ça va être un vrai drame. Mais t'inquiète pas, Joël sera là, hein, Joël? Oh, bah moi, je suis toujours prêt. Mais je comprends pas, il hésite vraiment. Ah oui, puis hésiter, c'est un faible mot. Hein. Enfin, c'est quand même dingue, ça, c'est quand même l'occasion de sa vie. T'imagines, elle a tourné les épisodes d'Amour toujours aux États-Unis. Mais je sais, on lui a répété au moins 1000 fois, si ce n'est plus, avec Marie. Ben, ça n'a pas aidé à se décider. Hein. Bon, enfin, Marie organise un petit dîner ce soir pour son départ. Enfin, s'il part, et ben, vous êtes invité. Ah, ça, c'est sympa. Ah ouais, super gentil. Ah ben, c'est dommage, Luc a la grippe, il ne pourra pas venir. Oh, ben oui, ça, c'est dommage. Hein. Puis en même temps qu'Isabelle, dis donc. Oh, là arrête, Justine, tu n'arriveras pas à me rendre jalouse. Mais non, mais je le sais bien. Jérôme? Oui. Ça fait longtemps que tu m'as pas embrassé, là. Oui, bah, c'est normal, parce que quand t'es avec moi, tu vois, je vois pas le temps passer, il passe, puis hop, Pep, attention, voilà Annette. Pas de gaffe. Salut, Jérôme. Salut, mon Jojo. Salut. Mais au fait, t'étais où? Comment ça se fait que tu sois pas venu avec les autres? Mais dis-moi, c'est que tu serais jaloux, toi? Bon. Non, mais il est tout jaloux, les dents. Du tout, moi, je m'inquiète, c'est tout. C'est normal. Je t'ai parti chercher.
un cadeau. Ah, pour moi? Eh ben non. Pour qui? Mais enfin, mais ça devient une vraie scène de ménage, là. Voilà. Un cadeau pour Monsieur Girard. Pour Roger? Ça pour quoi? C'est son anniversaire. Ah oui, c'est vrai, mais ce n'est, c'est que la semaine prochaine, là. Mais tu vois, j'ai pas voulu me laisser prendre de cours. Ça, t'as bien fait, là. J'ai bien fait, hein. Vous voulez que je vous dise ce que je lui ai acheté? Oh bah oui. Je lui ai acheté une super trousse de toilette. C'est vrai, il se déplace pas souvent. Mais bon, on sait jamais s'il devait partir en voyage. On sait jamais. Oui, hein, ça, c'est sûr, on sait jamais. Ah bah dis donc, tu avais drôlement faim, toi. Tu vas rentrer dans le livre des records bientôt. Bah, je croyais que c'était moi qui devais lui donner à manger. Oh, bah pour une fois que j'étais à la maison, je pensais que je pourrais le faire, et puis bon... Oui, et puis tu voulais pas me déranger pendant que je réfléchissais à la proposition qu'on m'a faite. Bah, il y a un petit peu de ça aussi. Je sais que c'est difficile de faire deux choses en même temps, et surtout dans ce cas-là. Bah, ça y est, j'ai pris ma décision. Ah bon, alors tu as accepté? Non, je peux pas accepter, je vais dire non. Oh, écoute, Marie, s'il te plaît, je te demande de respecter ma décision. Enfin, mais c'est ridicule, voyons. Mais enfin, Marie, je peux pas te laisser seule avec les enfants. Enfin, c'est trop de travail, trop de responsabilité pour une femme seule. Non, tu y arriveras jamais. Mais les filles sont grandes, elles sauront se débrouiller. Ouais. Et puis tu oublies Chloé, hein? Hein, ma chérie? Mais enfin, mais les filles m'aideront. Ouais. Non. Non, je peux pas... Je veux pas sacrifier ma vie de famille. Mais écoute, c'est au contraire en restant ici que tu sacrifies ta carrière. On est toutes fières qu'on t'ait proposé ça. C'est une chance inespérée, faut pas la gâcher. Non, tu sais, j'ai bien réfléchi, ils peuvent très bien se passer de moi. Mais enfin, mais c'est toi l'auteur d'Amour Toujours. Si tu t'assistes pas au tournage, ce sera pas pareil. Et puis, en plus, la série se vendra pas aux États-Unis. Puis tel que je te connais, tu te feras plein de reproches de pas y être allé. Mais non, puis tant pis, faut que je pense d'abord à ma famille. Mais enfin, puisque c'est ta famille qui te conseille de partir. Ma famille? Bah, et Hélène? Elle m'a pas donné son avis, elle. Mais si Hélène était là, elle te dirait de foncer. Ouais, et bah, Hélène n'est pas là. Et puis, de toute façon, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Excuse-moi, Roger, mais alors là, je ne te comprends pas. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, j'ai toujours été d'accord avec tout ce que tu faisais, mais là, je ne suis vraiment pas d'accord. Bah, écoute, il faut un début à tout. Enfin, mais on dirait que tu le fais exprès. Il faut pas que tu laisses passer cette chance. Pense à toi, pense à nous. Tu crois vraiment qu'il faut que je parte? Je ne crois pas, j'en suis sûre. C'est pour ça que j'insiste. Oui, d'ailleurs, je trouve que tu insistes beaucoup. Mais parce que c'est dans ton intérêt. Ah oui, mon intérêt, ouais. Ça serait pas plutôt le tien? Non, et pourquoi tu t'y attends à ce que je parte? T'as des projets? Mais, enfin, Roger, ne dis pas de bêtises. Non, parce que si je dérange, faut me le dire tout de suite, hein. Non, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Non, mais tu... Rien, il me prend rien du tout. Non, mais tu veux que je parte, que je débarrasse le plancher? Oh, bah, faut pas me le dire deux fois. Enfin, mais parle moins fort pour la petite. Parle moins fort pour la petite, oui. Bah, je parle comme je veux, je suis chez moi, hein. Non, je suis pas idiot, hein. Je vais chercher mon billet, hein. Je vais y aller. Comme ça, tu seras tranquille. T'auras la paix. Tu m'as toujours pas répondu. Quoi? Eh ben, si j'ai bien fait d'échanger la trousse de toilette de Monsieur Girard contre un polo. Bon, ben alors, ça, c'est toi qui vois, hein, parce que... Non, mais c'est vrai, il y voyage jamais. Alors, cette trousse de toilette, elle serait restée dans un tiroir. Ça aurait été dommage, quand même. Alors, quel polo? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il est original, là, hein. Tu crois que ça va lui plaire? Oh oui. Non, parce que... Je l'ai jamais vu avec un polo comme ça, alors je sais pas si ça va lui aller. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est très bien. Non, parce que si ça va pas, je peux encore aller le changer, c'est pas un problème, ça. Au fait, on fait quand son anniversaire? Oh, j'en sais rien. Non, parce que c'est dans une semaine, donc faudrait peut-être se dépêcher un petit peu. Oui, bah oui, je sais, oui. Ouais. Oh, je sais. On a
à lui faire une fête surprise. Mais oui, il arrive le soir et tout le monde est là pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Puis on pourrait se déguiser, oh ouais, ce serait génial. Justine, tu m'écoutes? Mais je ne fais que ça. Oui, bah écoute, tu vois là, on dirait vraiment pas. Bon, Annette, son anniversaire, c'est la semaine prochaine. Alors on a encore tout le temps, il faut pas précipiter les choses. Hein? D'accord, mais on est quand même jeudi. La semaine prochaine, tu vois, c'est dans 4 jours. Moi, j'ai pas du tout envie d'être prise de court. Ça, t'as raison. T'as raison. Eh ben, on peut en parler demain, par exemple. Si ça t'embête de t'en occuper, il faut me le dire. Moi, ça me dérange pas du tout, tu vois. Je ferais comme si c'était pour mon jojo. Ça, c'est gentil. Bah écoute, tu sais ce qu'on fait? On en parle tout à l'heure, hein? Excuse-moi, là, je... Géraldine? Oui? Je peux te parler 2 minutes? Oui, oui, bien sûr. Fais pas cette tête-là, je vais pas te sauter dessus. Je voulais juste te parler de Jérôme. Mais tu, écoute, Justine, il faut pas que tu crois. Non, que... mais... Bon, je sais que pendant que j'étais pas là, tu t'en es beaucoup occupée. Oui, mais... Et je voulais te remercier. Je suis désolée, la dernière fois, j'ai fait la tête. Je suis désolée. C'est pas grave. De toute façon, Jérôme m'a tout expliqué. Bon, bah alors, si t'es au courant de tout... Tu sais, c'est plus la peine de fuir Jérôme. Tu peux lui parler comme avant, c'est pas parce que je suis revenue qu'il faut changer. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Puis tu sais, tu fais partie de la bande, on va pas te laisser tomber, hein. N'est-ce pas, Annette? Bah oui. Bah remets-toi. Tu sais, Justine, je suis vraiment très fière d'avoir une amie comme toi. Elle est vraiment sympa, non? Je le savais déjà. Merci, Justine. Mais de rien, de rien. Ah bah tiens, voilà Jérôme. Salut. Salut. Ça va? On t'attendait. Bon bah, salut. Tu viens? Oui, oui, non, oui. Parce que j'ai dit à Virginie de nous rejoindre directement à la cafette. Et puis j'ai dit à Géraldine de venir avec nous. J'ai bien fait, non? Ah oui, oui, non, t'as bien fait. T'as eu raison. T'as réussi à lui parler ou pas? Non, j'ai pas pu, j'ai pas eu le courage. Tu vois, Géraldine, je déteste quand ils me regardent comme ça. Parce que souvent, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de moi. Non, pas du tout. Mais tu vois, Joël, je pense que ce serait mieux que ce soit toi qui l'annonce à Annette, parce que c'est ta copine et ça te sera plus facile. Ouais, plus facile, oui, facile à dire, oui. Non, écoute, c'est ta meilleure amie, débrouille-toi. Joël, sois cool, toi, vas-y. Non, mais y a pas de sois cool ou pas cool. Non, mais je veux pas de problème avec Annette, c'est tout. Bon, d'accord, on n'insiste pas. Écoutez, vous m'avez tout expliqué. Vous voulez que je lui dise? Ah bah oui, bah tiens, bah voilà une bonne idée. Ça, c'est super gentil, Géraldine, mais on peut pas te demander ça. Pourquoi? Bah c'est elle la plus neutre. Elle risque rien, hein? Non, c'est vraiment adorable, mais moi, je vais vous dire, ça, c'est une fausse bonne idée. Bon. Comme vous voulez. Bon, allez, on va rejoindre les filles, parce que Virginie doit en avoir assez d'entendre parler de l'anniversaire de Roger. Bon, bah, tu viens, Géraldine? Dis-moi, elles ont l'air bien s'entendre toutes les deux, c'est nouveau. Ouais, ouais, ça vient d'arriver, ouais. Pince-moi. Non, je voudrais être sûr que je rêve pas, c'est tout. Ah, t'inquiète pas, mon vieux, tu rêves pas, ou alors sinon on fait le même rêve. Hein. C'est ce que je craignais. Eh oui. Bon, bah, tu t'assois à côté de moi avec Géraldine? Ouais. Oh, bah, Jérôme. Arrête. Oh. Allez, viens. Assieds-toi entre nous deux, comme ça, on profitera de toi toutes les deux. Alors, ça va, Annette? Bah, tu vois, ça irait beaucoup mieux si tu m'embrassais. J'ai pas eu mon quota de bisous aujourd'hui. Alors, les filles, quoi de neuf? Bien, écoute, justement, Annette est en train de me raconter ce qu'elle comptait faire pour l'anniversaire de Roger. Bah, ça devait être très intéressant. C'est pas très intéressant, c'est magnifique. Je vais décorer toute la maison sur le thème du Brésil. Donc il faut tous se déguiser. Et évidemment, tout le monde est invité. Eh ben justement, à propos d'invitation, ce soir, Marie organise un grand dîner. Alors Joël et Jérôme vont venir et puis ben, je compte sur toi, Géraldine. Un dîner? Ben, j'en étais sûre. Évidemment, moi, je suis pas prévenue. Hein. Et ben maintenant, tu l'es. De toute façon, Marie a décidé ça ce matin. De toute façon, Madame Gérard, elle ne me dit jamais rien. Heureusement que Monsieur Gérard est là. Ah, je me demande ce que je ferais sans lui. Oh. Bon, alors, ce dîner. Alors, Géraldine, tu viens?
Oh non, ta mère est pas au courant, je vais me sentir hyper mal à l'aise, moi. Oh ben non, de toute façon, Luc devait venir, il a la grippe, donc bah viens. T'es sûre que ça va pas déranger ta mère? Non, de toute façon, c'est nous qui mettons la table, on débarrasse. Ah bon? Bah comme vous voulez. C'est gentil, merci. Tu vas voir, tu vas rencontrer Monsieur Girard. C'est un homme formidable. Tu vois, il a pris l'autre. Il a jeté dans la piscine. Prise de judo. Et alors? Le délire, elle est tombée dans la piscine. C'est noyé? Non, mais c'est éclaté par terre. Tu peux plus rien manger après. Dis donc, il t'a dit qu'il arrivait vers quelle heure, Roger? Je sais pas, il a pas précisé. À mon avis, il a dû être retenu au studio. Ouais, sûrement. Bon, ben, écoutez, on va peut-être se mettre à table, hein. Il va sûrement pas tarder. Ah oui, bonne idée. Ah ben, oui, allez. Moi, je meurs de faim. Moi aussi. Pas question. On va quand même pas dîner sans Monsieur Girard. Sans lui, c'est pas pareil. Bon, ben, comme vous voulez. Justine. Oui? J'aimerais bien te parler. Ouais, bien sûr. Je reviens, hein. Je peux vous aider à quelque chose? Non, non, reste avec Jérôme. Justine. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marie? C'est à cause de ton père, je suis très embêtée. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, il m'a fait une véritable scène de jalousie tout à l'heure. Il m'a dit qu'il est allé chercher je ne sais quoi, que parce que j'avais des projets, c'était moi qui l'envoyais aux États-Unis. Enfin, je... Et puis il a claqué la porte et depuis, j'ai pas de ses nouvelles. Non, mais c'est pas vrai, mais quel... Enfin, je peux rien dire, c'est mon père, mais comment est-ce qu'il a pu croire une chose pareille? Bah, je sais pas, je dois connaître les hommes. Bon, t'inquiète pas, je lui parlerai. Bah, oui, mais ça m'ennuie, je veux pas faire attendre tes amis et avec ce qui s'est passé, je suis même pas sûre qu'ils rentrent dîner. Bon, allez, j'ai une idée, viens. Bon, bah, si vous voulez bien, on va passer à table maintenant, hein. Ah oui, bonne idée. Oh, bah, moi, je meurs de faim. Et Monsieur Girard? Marie l'a eu au téléphone, et figure-toi qu'il est retardé au studio et il nous a dit de commencer sans lui, hein. Ah bon? Bon, bah alors, à table? Ah, génial, parce que un peu plus et j'allais commencer à manger les fauteuils. Et moi, la moquette. Bah, allez-y, mettez-vous à table. Moi, je vais attendre. Mais Annette, ça va être froid. Ça m'est égal. Je préfère manger froid, mais avec Monsieur Girard. C'est lui le maître de maison et la moindre des choses, eh ben, c'est de l'attendre. Bon, écoute, Annette, tu veux pas nous apprendre la correction? Il nous a demandé de commencer sans lui. Je le reconnais bien, là. Il est tellement poli que... Il a dit de commencer sans lui, c'est normal. Au fond de lui, il espère qu'on va l'attendre. Mais enfin, Annette, écoute, tu veux bien venir t'asseoir, s'il te plaît? Non, non, non. Vous rendez pas compte, vous. Il va avoir travaillé toute la journée comme un fou, il rentre chez lui, il mange tout seul. Je sais pas, mais la moindre des choses, au moins, c'est de l'attendre. Alors moi, bah, je vais l'attendre, et puis voilà, faites comme vous voulez. Non, mais Annette, tu peux pas te taire. C'est malin, hein. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, les enfants, je... Bon, allez, Marie, viens. Tu vas monter, tu vas te reposer. Ah non, ça va aller. Bon, écoutez, voilà, je suis désolée. Roger et moi, on s'est disputés. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien, Annette. Rien. Marie ne m'a rien fait du tout. C'est moi, c'est moi qui suis un idiot. Je suis vraiment désolée, Marie. Monsieur Girard, j'aurais compris. C'est vrai, tu m'en veux pas. Monsieur Girard, mais c'est votre carrière qui est en jeu. Bah oui, mais tu sais, je risque d'être absent 3 mois, peut-être même plus. Vous en faites pas. Pendant votre absence, je veillerai sur tout le monde. T'es gentil. Mais je compte sur toi, hein. Vous pouvez très bien me faire confiance, Monsieur Girard. Vous serez fier de moi. Écoute... Je suis très content que tu le prennes comme ça. Vous savez, Monsieur Girard, de vous, je peux tout accepter. Bon, c'est vrai, ça va être un petit peu difficile au début. Mais bon, Justine est là. Elle m'aidera s'il le faut. Merci, Annette, tu m'enlèves un gros poids. Monsieur Girard, je ferai tout pour que vous vous sentiez plus léger. Oh là, dis donc, t'as vu l'heure qu'il est? Tu sais que ça fait un bon petit moment qu'on discute, hein? Bah oui, mais avec...
avec vous, je vois pas le temps passer. Ça va peut-être aller rejoindre les autres. Attendez. Eh ben quoi? Ben, avant d'aller les rejoindre, j'ai quelque chose à vous demander. Ben quoi? Enfin, à vous donner. Voilà, c'est pour vous. Mais... qu'est-ce que c'est, Annette? Bah, c'est votre cadeau d'anniversaire. Si vous partez demain, je pourrais pas vous le donner mercredi prochain. Merci, Annette. Ça me touche beaucoup. C'est bête. J'aurais bien aimé qu'on fasse une petite fête, mais... vu que vous partez... Mais on la fera à mon retour. C'est vrai? Mais oui. Monsieur Gérard, vous êtes génial. Bon, eh ben, si on allait retrouver les autres, hein? Mais vous l'ouvrez pas? Oh, mais si, 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 pardon. Si. Alors? Ah, bah, c'est... ah, c'est... ah, c'est... ah, c'est joli, hein? Très joli. Ah, beaucoup. Oui, beaucoup. J'en étais sûre. Oh, bah écoute... merci, Annette, merci. Bah, si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Oui, bah, je vais peut-être l'essayer avec les autres, d'accord? Bon, bah, d'accord. Allez. Un petit essayage, rien que pour moi.